بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد نجار على اليوتيوب. دائما مع الكور ديال لوبتيك جيومتريك. اليوم غنقدم لكم لا بارتي نيميرو 7 في لو شابيتر ديال لي ديوبتر، اكزاكتومون لا بارتي ديال لي ديوبتر سفيريك. في هاد لا بارتي غنشوفو 3 بوان. لو برومي بوان غنشوفو لو فويي ايماج، لا بوزيسيون ديال الفويي ايماج، ثم اون فا ديفينيغ لا ديستونس فوكال ايماج، اي فينالمون اون فا ديفينيغ لو بلون فوكال ايماج. Bien sûr, en utilisant les démonstrations pour démontrer la position du foyer image. Donc, on commence par le premier point, foyer image. Alors, la fois le foyer image, c'est la position, ou là le point conjugué, la position de l'image sur l'axe optique, sur l'axe optique d'un objet situé à l'infini. Yani on va chercher la position, de l'image dans l'objet qui est à l'infini. Et le foyer image Karmzuleb F prime. Donc prenons un dioptre, l'image les cartes mobiles à chaque fois. Donc le dioptre, c'est surface qui sépare entre les deux milieux d'indices différents N1 et N2. On dira un petit rappel de la formule de conjugaison A au sommet. Donc formule de conjugaison origine au sommet. Donc supposons le point un objet quelconque, un objet situé le milieu d'indice 1 donne une image par un dioptre sphérique. Donc on a le point S qui donne une image le milieu d'indice N2. La formule de conjugaison, c'est simple. C'est N1. Je commence par N1 sur SA moins N2 sur SA' est égal N1 moins N2 sur le rayon de courbure SC. Là, je vais la position de l'image du foyer image. On va mettre l'objet à l'infini. Donc, un objet à l'infini, objet A est à l'infini. Donc, SA tend vers l'infini. Yani, la donne SA est à l'infini. Donc, 1 sur SA tend vers 0. Donc, c'est le terme. Ce terme tend vers 0. Donc cette formule devient, moins N2 sur, lorsque 1 sur S tend vers l'infini, vers 0. Donc A' tend vers F'. C'est la position de l'image lorsque SA tend vers 0, c'est-à-dire lorsque A tend vers l'infini. Donc là, on a moins N2 sur S, ça a au droit de A' de F', qui est égal à N1 moins N2 sur SC. Donc, finalement, SF' à quoi est égal? Donc, c'est N2 sur, je divise le terme, je multiplie par moins, donc on va dire N2 moins N1 fois SC. Voilà la position exacte d'elle, le foyer image par rapport au sommet. Par rapport au sommet, on a travaillé avec le point S. Donc c'est position de F', transmis au foyer image
image par rapport au sommet. L'un manque un arsement, notre chèque. Donc, un rayon incident de l'infini, l'objet est à l'infini, le rayon est incident. Il sera réfractif à le point I. Donc, il sera réfracté vers. Donc, il sera convergent vers le point. Voilà. Le foyer image F prime. Un autre rayon qui est parallèle à l'axe optique. Le rayon, par exemple, c'est un rayon incident. Il sera réfractif le point I prime, par exemple, et elle passe automatiquement par F prime, le foyer image. Donc voilà, F prime c'est foyer image. Une remarque très importante, remarque. Donc rajout la relation li chfna, راح تبينا ان هنا الا كان سي سي ان 2 supérieur ou la n1 n1 supérieur à n2, donc n2 moins n1 il est inférieur à 0 et sc dans notre cas dial miroir dial dioptre concave ici, راح تبينا s c'est les négatifs parce que le sens de la propagation de la lumière toujours de gauche à droite, donc et sc négatif, donc sf prime elle est positif parce que c'est un rapport de deux termes qui sont négatifs, donc f prime dans ce cas f prime est réel. Prenons maintenant le cas d'un dioptre convexe. Dioptre convexe. Nous avons le milieu d'indice N1, le milieu d'indice N2. Donc la formule de conjugaison c'est SN1 sur SA moins N2 sur SA prime qui est égal à N1 moins N2 sur S. C. Donc là c'est formule de conjugaison origine au sommet. Donc si A est à l'infini, donc 1 sur S A tend vers 0. Dans ce cas, A prime tend vers le foyer image S prime. Donc cette relation devient moins N2 sur SF prime qui est égal toujours N1 moins N2 sur SC. Le même raisonnement. Donc finalement, on a SF prime est égal N2 sur N2 moins N1 fois SC. Voilà pour dioptre convexe. Maintenant, S pour dioptre convexe, maintenant S C qui est positif parce que le sens de la propagation de la lumière de gauche à droite, on va supposer que N2 supérieur à N1, donc dans ce cas le terme est positif, l'autre terme positif, donc S F prime sera positif, donc F prime et réel. Donc un rayon incident de l'infini, il est parallèle à l'axe optique, il sera réfracté vers le point F prime, un point F prime, le foyer image F prime. Maintenant, si on suppose que si N2 inférieur à N1, ici c'est N1, donc le terme N2 moins N1 est inférieur à 0, donc le terme, donc
SF prime, il sera négatif. Donc dans ce cas, F prime sera en avant, donc il y a avant le diopter. Voilà F prime. Donc un rayon incident de l'infini, il y en est parallèle à l'axe optique. Le point I, il sera réfracté dans le deuxième milieu, dans le deuxième milieu d'indice N2, tel qu'il passe par F prime. Voilà le rayon réfracté. Bien sûr, on a rendu des pointillés seulement. Fakat kan binou bien que le rayon il passe par F prime. Donc qu'est-ce qu'on remarque que F prime dans ce cas, donc F prime est virtuel. Le point F prime est virtuel. Et le dioptre ici, le dioptre dans ce cas, ce dioptre est divergent. Donc comme conclusion, un dioptre quelconque, soit concave ou convexe, un dioptre est convergent si F', le foyer image, est réel et divergent si F' est virtuel. Bien sûr, il dépend des indices N1 et N2 et du dioptre convexe ou la concave. Maintenant, le deuxième point, la distance focale image. Cette distance est simple à définir, c'est que cette distance c'est SF'. L'équation de distance focale image. Distance focale image ou comme je l'appelle F prime qui est égal à N2 sur N1 moins c'est N2 moins N1 SC. Voilà la même distance qu'on a déjà calculée. Et troisièmement, le plan, finalement le plan focal image, le plan focal image, c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique, ce qu'on a un mot à l'axe optique, contenant le plan contenant le point F prime, yani le foyer image. Donc, dans ce cas, le plan focal image WADA, plan dans un dioptre convexe qui est divergent, plan focal image. L'autre figure, voilà le plan focal image, voilà le plan perpendiculaire à l'axe optique contenant le point F prime. Voilà le plan focal image. Voilà, on a les trois points. Fait la vidéo prochaine, Inch'Allah, on a droit à la foyer objet, Thomas la distance focale objet et puis le plan focal objet où on va suivre la même méthode. On se donne à cette vidéo. Quand vous êtes avec Khalid Naji. نتمنى تبارتاجوا لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة الناجي خليت سيونس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.